ont subi pendant de longs mois, ça s'est traduit par 16% de perte de salaire, et ça, c'est dur à avaler. Mais parmi ces aides, il y a eu des aides accordées aux entreprises, comme ça, chèque en blanc. Et c'est le cadre du plan de relance, là, dont ils parlent tous et dont se vante le président de la République. 100 milliards d'euros cash pour les entreprises. Eh bien, dans la réalité, ces 100 milliards d'euros, les deux tiers sont accordés aux grandes entreprises, les multinationales, et un tiers aux 520 000 TPE-PME. Des miettes pour les petits, le gros chèque pour les plus gros qui n'en ont pas besoin. Et ces mêmes grosses entreprises sont celles qui, en ce moment, ça a été annoncé la semaine dernière, distribuent 51 milliards d'euros de dividendes à leurs actionnaires en pleine période de pandémie. Nous ne pouvons pas accepter ça. C'est notre argent qui leur a été donné. C'est celui de nos impôts. Et nous n'en avons pas la main. Il est accordé sans condition. Et il est versé ensuite sous forme de dividendes. Mais c'est de l'argent public gâché, ceux qui nous font des grandes leçons et de théories sur la maîtrise des dépenses publiques, mais qui nous le donnent à nous, le budget. Nous, on va le maîtriser, nous, l'argent public, mais on va le mettre au service du monde du travail, pour relocaliser l'activité, pour augmenter les salaires, pour travailler sur la formation. Mais on veut avoir le pouvoir de décider de ce que nous voulons faire de notre argent et de l'argent public. C'est ça ce que nous voulons. C'est reprendre le pouvoir sur l'argent public, mais aussi sur l'argent du capital. Et on veut le mettre au service du monde du travail et de la jeunesse. Voilà l'ambition que nous devons porter pour notre pays. Heureusement qu'on a entendu à propos. Et justement, ces élections présidentielles, elles vont porter cette ambition, en tout cas pour nous, pour moi. C'est dans ce sens-là que je m'engage. Et 6 semaines après l'élection présidentielle, les élections législatives. Eh oui. Et c'est là où nous, tous ensemble, nous devons créer les conditions pour faire élire le plus de députés qui seront au service de ce combat, au service du monde du travail, et se fixer l'objectif, le bel objectif, d'envahir l'Assemblée nationale de nos propositions, de notre ambition pour le pays, pour la jeunesse, pour nous, pour préserver ces outils industriels, pour les mettre sous la protection de la République. Voilà le beau dessein, la belle ambition que nous devons avoir pour notre pays. C'est de reprendre un véritable contrôle démocratique sur l'économie. Parce que ce ne sont pas les actionnaires qui doivent décider. Ce doit être la politique. Et la politique, c'est vous qui devez la faire. Alors, ce bulletin de vote, il va être tellement important pour décider de nos choix. Ça va être le cas ici dans 3 semaines, à l'occasion des élections régionales et départementales. J'en ai dit un mot sur l'importance que cette élection révèle sur le rôle du Conseil régional. Et le Conseil régional a un rôle important à jouer sur l'activité économique et sur le choix d'implantation des entreprises, sur l'attribution des aides publiques. Et nous portons cette proposition d'avoir un œil et un regard et le pouvoir d'intervention sur l'argent public. Et donc, il faudra aller voter les 20 et 27 juin prochains pour justement décider de notre avenir. Mais en 2022, il faudra aussi le faire et porter donc cette grande ambition pour le pays, celui de mettre l'argent au service du développement humain, au service de la planète, au service de la jeunesse. Il n'y a pas de problème d'argent dans notre pays. L'argent, il existe, il coule à flot pour certains, pour une infime minorité. Tout ce que nous voulons, c'est que les richesses que nous produisons, eh bien, nous en ayons la maîtrise et que nous décidions, nous, à quoi elles doivent servir. Plus que jamais, l'humain d'abord, et l'humain d'abord, c'est vous qui allez le mettre en œuvre. Merci à vous.